Et ouais, c'est vrai qu'ils sont mieux que l'année où, comme je te dis, où ils étaient montés en top 14. Donc, on connaît l'ambiance qu'il y a dans ce stade, la ferveur catalane. Du coup, ça, on sait où on va, on sait qu'on va chez une équipe qui joue le maintien et qui lâchera rien, surtout à domicile. Donc, ça va être un match important à jouer, ça va être un match important pour bien rattaquer ce top 14. 15 jours de trêve de top 14, c'est toujours difficile de se remettre dans le bain de ce top 14. Donc il faut vraiment qu'on travaille fort pour essayer de faire un bon match là-bas. On sait que ce sera dur, que ce sera compliqué, que les Catalans à domicile sont très bons, sont portés par leur public aussi, donc sont très enthousiastes, font de très très belles performances. Donc à nous d'essayer de rivaliser par rapport à ça. En plus, c'est le match du Boxing Day, donc ils vont être doublement motivés. Donc voilà, il faut qu'on arrive à donner le meilleur contenu possible. Voilà. Ouais, comme tous les matchs, c'est un match important comme tous les matchs. Cette année, on le voit, le championnat il est très, très étriqué au niveau des points. Donc chaque match est hyper important. On sait que Perpignan va avoir à cœur de faire une grosse performance face à nous. Et nous aussi, voilà, on aura, après ces deux matchs de Coupe d'Europe et cette coupure un peu de Coupe d'Europe, il faut qu'on fasse un bon match pour se remettre dans le bain du top 14. On a encore un gros bloc. Deux matchs qui nous attendent, à commencer par ce match à Perpignan. Donc la semaine va être spéciale et courte par rapport à Noël, les jours off. Donc on essaie de travailler du mieux possible sur les 2 jours et demi qu'on a là de préparation pour être bien en place et livrer une grosse performance dimanche.